Oh. On reprend Final Fantasy XV. Je stream un peu tard parce que j'ai passé plus d'une heure à rager ce taux de tournage du film The Flash. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et Final Fantasy XV dans la joie et la bonne humeur, on est devant notre van. Prompto qui fait le guignol comme de. Même s'il fait très bien le moonwalk sur un marchepied, je dois avouer. Allez, sans plus attendre, on va reprendre la route. Ouais, il y aura un peu une quête à faire. C'est bien d'avoir une quête intéressante. On va peut-être finir ce gars-là quand même. Là, j'ai clairement eu les yeux plus trop gros. Ça, c'est la mission, on peut peut-être pas la faire tout de suite. On va farmer des points, merde. Faudrait que je prends le temps dans la journée de faire des petites sessions. On va te faire des quêtes de chasse, quoi, tout seul dans mon coin. Ça évitera de trop vous agacer dans ma quête. Ouais, on va aller revoir ce gars-là. Pourquoi ça nous coûte 10? Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y! Ah, ça nous a coûté 10 à cause de la téléportation, d'accord. Bon, on use du pognon pour rien, c'est chiant. Bon, allez les gars, au pas de course. Essayez de pas trop tuer les animaux cette fois. J'avais justement envie de chasser. Prends-t'en, tu m'as appelé. Belle performance, Noct. Merci. Notez que ces bestioles nous ont rien fait, hein, mais on est là, mais c'est pour le farm. T'es foutu. C'est parti. Regarde ça. Mais en fait, déjà. En fait, j'arrive pas, hein, tant que j'ai. Ignis! Soit la perfection. Le combo parfait. Putain la pauvre bestiole. Par contre, je reste pas, hein, tant que j'ai l'arme légendaire des ancêtres dans mon inventaire, mes copains ils font plus de coups d'assist. Par contre, pendant ce temps-là, moi je me fais défoncer. Tu dépasses les bords. Désolé. Putain, on vient de massacrer toute une famille de gnous complètement gratuitement. Hop. Où est cette connerie d'oiseau? À te voilà, connard! Voilà. Ça me fait un peu de peine de tuer ces pauvres bêtes. Je sais que c'est un peu tard, mais bon. Malheureusement, dans la nature, c'est tuer ou être tué. C'est comme ça. Non, mais lui dis pas ça, ça va le traumatiser. Et ouais, sauf qu'en l'occurrence, c'est bête, ils nous ont rien fait. C'est un peu ça le problème. Enfin. Oh bah, la mission est là. Bon, sinon, on va vérifier un truc, là, parce que c'est très bizarre. L'arme légendaire, c'est laquelle? Celle-là, on est d'accord? À la place, on va mettre genre le pistolet. Ah, cool. Super. Content qu'on l'ait trouvé. Donner la plaque d'identification tordue à Dave. Ah.
C'est quand même pas passionnant, hein, sa quête à ce gars-là. D'ailleurs, c'est un problème dans le jeu, les quêtes, c'est pas non plus... On n'a jamais quelque chose de bien grandiose. Qu'annonce la météo ? Ciel dégagé et température en hausse. Super. Oh, on va prendre la route normalement, c'est déjà ça. La musique, c'est où ? Mais qu'est-ce que tu fais, Nock ? Qu'est-ce que t'as à prendre cette pause là ? Je te préviens, hein, si Ignis il accélère un peu, tu tombes en arrière. Ça y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. Qu'on a vu il y a à peine 5 minutes. Tout ça, ça reste du farm. Ah, alors vous l'avez trouvé. Je suis sûr que son ancien propriétaire doit être heureux, s'il nous regarde. Ah, et on a 5 méga potions, bah, ça valait le coup. Alors, toujours on va en chasser des monstres. Ok, bah... Alors, comme quête, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lui, avec ses pierres, il me fait vraiment chier. Après, il a 500 d'XP, c'est pas de la merde. Mais bon, on verra plus tard. Sur une idée de Cid, Takald a demandé au Quatuor d'effectuer une petite course pour lui en échange d'une promotion. Les garçons devront se rendre à Galida pour obtenir l'aliment demandé et reporter Takald. Ok, personne n'a une quête de chasse, un truc cool. Examiner, toi par exemple. Hors service. Service, on peut pas y parler à ce gars, d'accord. D'accord, bah regardez, on va rejoindre le barrage de Duskanor. Et c'est loin ça ? Bon bah écoutez, on va y aller. Pas les composants. Ça, je me rappelle pour acheter l'ingrédient. Et lui, c'est chiant. Du coup, on va aller là. Non, on va y aller en. Bon, vous êtes. On va y aller en. On y va ? Sans bonne franquette, hein. On est là. On est là pour. Je rappelle que le gros du jeu, c'est d'admirer le paysage pendant les trajets en bagnole. De la musique d'ascenseur, d'ailleurs ça me fait penser, je vais vous ressortir ma playlist, mais j'ai un peu d'exercice. Peur des strikes. Rejoignage du scanner, faut que j'y aille à pied, c'est ça? On dirait bien que oui, ben écoutez. Alors, désolé les bestioles. J'ai glissé. Mais tout ça c'est du farm. Mourez créature. C'est pas le moment. C'est le moment de se former. Hey.
Là, y a rien à faire, hein, je... Ah, attendez, l'épée. Alors, ouais. Ou alors non, c'était l'épée qui était l'arme légendaire, je sais plus. Ok, il y a un truc qui me... On va essayer celle-là. Non, ou alors c'est... Je sais pas. Je fais plus d'invocation des copains, je ne comprends pas. Foirer un truc... J'ai dû foirer un truc quelque part, mais je ne sais plus où. Après, a-t-on réellement besoin de faire équipe quand il s'agit de tuer des pauvres bêtes dans ce genre-là? Que je me fais littéralement casser la gueule. Voilà le travail. Ensuite. Merde. Vraiment, je me fais encore défoncer. Voilà. Je te fais pas tuer. J'allais te le dire. Il y a le sketch de la galinette cendrée quand il s'acharne contre la poularde à la fin là. Une mitraillette, vous vous souvenez? Je meurs de soif. Et moi je meurs de faim. Et qu'on soit vivant. Oh, je trouve qu'il y a assez de viande là. C'est vrai, on est végétarien, on tue pour le plaisir. Comme Elmer dans Bugs Bunny. Dans la nouvelle VF, il y a vraiment un moment où il dit ça, vous savez. Il est végétarien, la chasse c'est un sport de détente, et là tu fais quoi? Ceci dit, des scorpions. Des scorpions bien moches et dégueulasses, ça... On a beaucoup moins de scrupules à les buter. Et je les bloque. Vous suivez. T'oublies quel chef? Aïe! Cette fois, le chef, c'est quoi? Ils sont en train de se chamailler. Vas-y. Bon, faut y aller. Mais attendez, c'est des 29. Non, attendez, là, on peut pas lutter, les gars. J'espère que ça va te plaire! Les gars, on est foutus! T'es dans la lune ou quoi? Quoi? Beau frère de notre... Non mais non, mais c'est moi, j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre. Les bébés à 1, on peut éventuellement les buter. Mais... Non, vous savez quoi, le farm, c'est fini pour aujourd'hui. Oh bah on a bien merdé. Allez venez vous autres, on va aller se taper sur des gens. On aura l'air moins débile. Mais il est où ce barrage là?
Ah, Igalia était là, en fait on n'est pas du tout sur le bon coin, qu'est-ce qui se passe? Faut le contourner, c'est ça? Alors le truc est là. Alors je rêve peut-être, mais dans mon souvenir on pouvait le contourner avec un machin. Ben, dis en donc, faisant un truc. Je savais pas que Cor était si balèze. J'aimerais pas être son ennemi. Ah. Eh, y a Cor qui est là-bas, d'accord. Je sais pas qui. Y a Cor qui est là-bas, d'accord. D'accord. Sinon les compétences de Méga. Réduit le coût des MP esquive automatique. Bon, on dirait pas que je peux prendre des trucs tout de suite. Tant pis. Bonjour, Cor. À partir de là, nous allons former deux groupes de combat. Prince Noctis, le maréchal vous attend un peu plus loin. Vous autres, venez avec moi. Nous allons attaquer en force pour créer une diversion. Je vais équiper avec Cor. Allez, j'accepte. Bon, à plus tard, les amis. Noct, mets-leur la misère. Nous, on fera pareil de notre côté. Eh ben, je suis pas mécontent de rouvrir ce barrage à néant. Puis comme mes gars sont devenus inutiles, vu que je peux plus faire d'équipe, de coup, on équipe avec. S'ils font diversion, ah, maréchal, vous voilà. Plus de facilité à frapper vite et fort. L'Empire ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Déjà, ils vont se faire attaquer par des hommes aussi fashion, quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr qu'ils vont rien comprendre. De techno chevalier de mes deux. Ah. Où êtes-vous? Ah. Olé. Ultra instinct. Quoi? Hey. Oh. Sache qu'un combat dans la vie. Oh. On verra ça plus tard. Oh. Oh. Yo. Ha. Yo. Oh. Oh. C'est tout. Je les ai niqués ou quoi? Ah, il y a bien quick. Par là que ça se passe. Vas-y. Ha! J'aurais peut-être dû le viser. T'en fais pas, concentre-toi, compris? Bon, dans l'euphorie, je vous ai mis un coup, désolé. C'est terminé. En ce moment, je suis pas doué pour le travail d'équipe. Hop là! Hop! La vie est plus facile avec Cor dans les parages. Compte pas trop là-dessus. Je ne serai pas toujours là pour vous sauver. Ah, ouvre la porte! Là-haut! Ouais, compris! Bougez pas! Hop là! Hey! Hop là! Hop là! Maintenant! Eh non, excusez-moi, c'est eux que je dis. Oh, 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 oh. Merde! Hey, tombé! Excuse-moi! Ah, j'arrive pas à rester en. Tant pis. Hop là! Personne ne me voit! Ah, j'ai bien fait de mettre la veste maintenant qu'il pleut. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se bagarre, il pleut. Enfin. Et les autres? Tu
crois qu'ils vont pas leur maraver la gueule. Concentre-toi surtout sur notre mission à nous. Ouais, ouais, d'accord. Oh, t'inquiète pas, je leur marche dessus, ils comprennent rien. Excuse-moi, j'ai un certain mal. Voilà. Ah, en vrai, l'effet de mouillé sur le costume, il est hyper beau. Vraiment, je regrette pas de l'avoir acheté, ce costume royal. Attends, bougez pas. Oula! Restons en ultra instinct et approchons-nous d'eux. Voilà. Esquive les balles. Reste concentré. J'allais me le faire. L'attitude m'a empêché de me concentrer. J'aurais pu gagner tout seul. Se surestimer est le plus loin vers l'échec. Ça va, je me suis fait botter le cul par un scorpion ce matin. Je crois que niveau humilité, je sais ce que c'est. Hein. J'ai pas pris la grosse tête, hein, t'en fais pas. Fortifiant musculaire. Fortifiant. Voilà. Un peu de Red Bull. Et on va leur péter la gueule. Où sont-ils? Ah ah! Ouvrez! Je vais vous fumer! Je suis content de vous revoir. Ah, mais ils se sont bien démerdés. Alors, ça s'est bien passé pour vous? Comme sur des roulettes. L'Empire s'attendait pas à ça. Non, et encore moins un autre duo. Oh non. Pas de plus. Cor l'immortel. Étonnant. Tu as donc réussi à t'échapper de la citadelle. Mais la légende de Cor ne survivra pas à ce qui t'attend ici. Ta réputation périmée va prendre fin aujourd'hui. Ah, le mec arrive dans son mecha. Il a un peu trop regardé Code Geass, si vous voulez mon avis. C'est pas grave. On va lui péter la gueule. Regardez-moi ce gros tas de boulons. Vous êtes prêts les mecs? Allez! Allez! Hop là! Hop! Hop là! Hop. Occupant de ces snipers là qui cassent un peu les pieds. Prends soin de l'homme. À la porte, maréchal. Putain. Disparaît. Ouais, c'est pas une potion, ça, c'est du fortifiant musculaire. Attendez, on va le prendre. Maintenant. Putain de missile là, il me tue en direct. Allez, maintenant réglons le compte. Ce fan de Code Geass. C'est pas le moment de te reposer. Les gars. Les gars, je. Ça va mieux ? Merci. Oui. Alors, j'en étais où? Oui. C'est terminé. Pour le flingue, on va pas y arriver avec ça. Merde. Oh merde. Il a une putain de tronçonneuse à la place. Ignis. Je vois. Ignis. Merci. Putain. Il est niveau 22, ouais.
Là, clairement, il va falloir que je farme un peu après ça, parce que je me fais défoncer contre des trucs comme ça. Et pourquoi je fais plus de coups Je vais me prendre une super potion. Allez, on le travaille au corps, allez. Putain, je... Génial, il a perdu tout son huile. C'est quoi notre stratégie? Je sais pas. Pour comment m'y prendre. T'as une idée? Tapez-le! Bon, bah, c'est le maréchal qui a tout fait. Remarque. Saloperie! Oh! Et bah, du premier coup. Quand même. Impressionnant. Te voir en action est réconfortant. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter désormais. Mission accomplie. Bah, je me suis un peu fait botter le cul, c'est vous qui l'avez plus ou moins tué. D'ici là, prends soin de toi. Je crois qu'il avait juste... Il en avait juste marre de traîner avec nous. Désormais, le monde s'ouvre à nous. On peut reprendre la route, comme dirait le succès. Cet endroit est plutôt sympa, quand on le connaît bien. Sauf qu'on le connaît très mal. Et qu'on a beaucoup à faire. C'est vrai. Allez, courage, c'est que le début. Ouais. Alors, les niveaux... Seulement 13 ? Bon bah... Bon, au moins on a gagné des photos. Ces pauvres créatures qu'on massacre. Gladius qui était en train de pisser derrière un buisson. En train de vomir après une bonne cuve. Elle est magnifique. Ah, j'en ai déjà pris 24 à la con. Mais je résiste pas à prendre celle-ci. Et celle-ci qui est plutôt classe en vrai. Alors, c'est bien. Et bah, quel chargement. A échappé à la mort. Et l'anneau, où est-il passé? Une Afreya l'a emporté dans sa fuite. Trouvez-la au plus vite, et tuez-la. Je n'ai besoin que de l'anneau.
Il serait plus avisé de... Star Wars, le Seigneur des Anneaux... Comme vous le savez, les Sith possèdent des pouvoirs inouïs. Et c'est par le biais des serments de leur... Trouvez pas que vous mettez un peu de trucs comme... Vous trouvez pas que vous mettez tout en même temps, là, les gars? Serait plus profitable, ne pensez-vous pas? Ouh, par contre... Elle, par contre, j'ai hâte de l'affronter, je vous dirai pas pourquoi. Ravus, vous êtes désormais à la tête de l'armée impériale. L'auriez-vous oublié? Cependant, nous devons d'abord les débusquer, elle et le prince. Putain, Gargamel, quoi. N'ayez crainte, votre éminence. Je ne connaîtrai de répit que lorsque nous les aurons retrouvés. La lumière... Je la vois... dans le cristal. Je crois qu'il devient complètement sénile. Ah, les grands espaces, j'adore ça, moi. Ouais, on va enfin quitter cet endroit poussiéreux. Les régions que l'on va traverser sont encore plus... C'est cool, ça. Je veux dire plus de trésors. Nous allons d'abord rejoindre Duskae, célèbre pour ses marais. Des marais. Oh. Passionnant. Il y a aussi une forêt de chocobo. T'as dit chocobo ? Plus à l'ouest, c'est la région de Klaigne. Non mais commence pas avec ça, toi. Se trouve la ville de l'Estaloum. C'est là que s'est réfugié Iris, n'est-ce pas ? Ouais. Si tout s'est bien passé, elle devrait déjà y être. Elle a peut-être même déjà vu le météore, si ça se trouve. Le météore légendaire ? C'est ça. Mais c'est maintenant la source d'énergie de l'Estaloum. C'est vrai ? Mais c'est une super idée, ça ! Je trouvais que ça m'intrigue, cette histoire. C'est très curieux comme système, mais bon. Ça risque d'être un long voyage. On fait le plein maintenant ? Ouais. Je pense que désormais, on connaît bien la région. Noct, si t'as envie de conduire, je t'en prie, prends le volant. Cool. Alors, avant de faire le... Ça peut être. Qu'on a... Allô ? Noct ? Iris ? Juste d'arriver à l'Estaloum. On s'est installé dans un hôtel. C'est plutôt sympa. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Ouais. D'accord, c'est promis. À plus tard. C'était Iris ? Et elle appelle même pas son frère. Eh bien, à sa décharge, on n'a pas encore annoncé ta mort dans tous les journaux. Et moi alors ? Elle a demandé de mes nouvelles ? Vous avez vu ça, les gars ? Y'a un parc de chocobos. Oh là, du calme. Faut qu'on aille à l'Estaloum. Allez, y a rien qui presse. On peut faire un détour. Rejoindre le rail de chocobo. Tu sais que mon père est mort hier. Bon. Allez. Ouais, ok. On va y aller, sinon tu vas pas arrêter de nous casser les couilles. Ça va être trop cool. Mais d'abord, fouillons un peu ce que nous avons aux alentours. On a une quête ici. Tiens, c'est Sanya. Hein ? C'est qui ? Je lui ai parlé une fois, quand on était à Mered. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je l'avais vue avec toi. Cette fille sait plein de choses. Ah, t'avais mis un râteau ? Ça vaut le coup d'aller lui parler. Va te présenter. Tout ancien. Oh. Alors, quête. Oh, une quête. Mais t'es qui, toi ? Tu vois pas que je suis occupée ? Ah, c'est vous ! Vas-y, dis-moi, que veux-tu savoir ? Non, rien. Tu rigoles ? Et vous, vous êtes Vera de tu Scooby-Doo, non ? Tu viens me déranger dans mon travail pour rien ? Oh, ne crois pas que ça va se passer comme ça. Tout ce temps précieux que je perds. Oh ! Pour la peine, vous allez me donner un petit coup de main ? Ok. Vraiment ? C'est trop cool ! Je pensais pas que tu accepterais. La mission du jour, c'est d'attraper des grenouilles. Mais tu me forces un peu la main. Quoi ? Des grenouilles ? Oui, c'est ça.
Mais il ne s'agit pas de me rapporter n'importe quelle grenouille. C'est un peu plus compliqué. Le marécage d'Alstor. Ça vous dit quelque chose? C'est là qu'elle est ma grenouille. Mais je veux de la grenouille rouge. Très bien. Je vais pouvoir retourner bosser. Mais n'oubliez pas, de la grenouille rouge. Eh ben, dis donc. Je sens que ça va être passionnant, cette histoire. Il n'y avait pas un autre assis là-bas. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'elle me fait peur? Certes, mais peut-être que sa mission nous sera utile en fin de compte. Dis, comment est-ce que tu as réussi à faire sa connaissance? Pour avoir du farm, tout ça. Du sociable. Putain, mais en fait, ce gars, il a des cabanes de partout dans le pays. Allez, puis il nous suit à la trace, qu'est-ce que ça veut dire? On y va. Ah, c'est vous. Si vous avez un peu de temps, on peut vous demander de chercher d'autres plaques d'identification pour moi. D'accord. Je commence un peu à avoir des doutes sur ce... par exemple, des fois, ce serait pas toi qui les aurais tués, et tu nous demandes de les ramasser pour masquer les preuves, enfin... Ce genre de choses, quoi. Bon, du coup... eux, on verra plus tard. Ça, c'est la quête principale, on verra plus tard. L'ami Chocobo, on ira peut-être faire un... plus tard. Elle. Lui, c'est très loin. Bon, on va faire son truc. Pour avoir le farm, évidemment. Ok. Les quêtes. On va faire la quête de l'ami. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. C'est parti pour un bon petit trajet en bagnole. Si cette dame est flic, elle est au moins gênée. Si on prenait une photo avec le météore. Ouais. Ouais, bonne mon idée. Père est mort hier, okay, encore une fois. Mais... ça aurait été mieux qu'il fasse beau, quoi. À part chanter, on peut faire quoi sous cette pluie? Pas grand chose. C'était même pas le moment de prendre une photo, en fait. Alors, on va la prendre, ta photo. Tant de merde. C'est dégueulasse. Bien vu! Je prends ça en photo. Ça va être difficile. Attention, séquence photo! Allez! Curieusement pas si mal, mais bon, là on a les fringues. Les photos où on est tous ensemble. Complètement trempés, c'est ridicule. Enfin, allons terminer cette quête. Oh. Merde, par où on remonte? On n'est pas mieux, cadeau de Chocobo. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Ce serait bien que tu la sortes de ta tête une bonne fois et que t'arrêtes de nous casser les couilles. Enfin, que tu commences pas, nous,
Déjà que tu nous fais sortir sous la pluie pour prendre des photos à la con. Hein, tu es toléré ici. Toléré. Allez. Ah, voilà. Allons-y. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, on y va? Je relance. Hein. Non, mon enfant, je suis la fée. Ah, bonjour, madame la fée. Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant, je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer. Vrai? Vrai? Ben, je voudrais qu'on se paie du bon temps. Du bon temps? Du bon temps. Qu'entends-tu par là, mon enfant? Ben, je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon. Jambon. Qu'il fasse voter le 10 juin. Dix juin. Et là. Non mais non. Je voulais sauter juste. Allez, c'est parti. Vraiment passionnant les 4 secondaires. Hein. Witcher à côté. Les gars, ah, on va se faire agresser par la faune. Mais non, tu peux t'en occuper. Tout seul, mais t'es malade ou quoi? C'est parti. Ok. Le coup de grâce. Heureusement, ces trucs sont un peu lents, ils ont un peu de mal. J'avoue que tu m'impressionnes. Je sais. Merde. C'est un futur repas, ça. Ah, t'as une nouvelle recette? Non, mais je vais y réfléchir. Adieu. Et j'espère que tu vas en trouver une, parce que on va avoir de la viande à revendre. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a, Ignis? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Petite plume. Et du coup, recherche la plaque du gars, recherche la plaque. Et merde. Là j'ai juste trouvé une petite combien plume. Il y a d'armes royales? Autant que de rois d'antan. Mais toutes ne sont pas forcément intactes. Une vraie chasse au trésor. Je fonce en premier et je les bloque. Vous suivez. T'oublies quel chef? Aïe! Cette fois, le chef, c'est moi. Alors, on y va! T'es foutu! Bon, bah, on va tuer le petit, hein. On vient de tuer les parents, il pourra pas survivre seul, après tout. Autant terminer le boulot. Attendez. Non, y a pas d'échelle sur ce truc, on est d'accord? Bah le voilà. Je me doutais que c'était ça, autour de la une cabane. Chose de faite. Rapportons la vite à Dave. Voilà. Eh ben, c'est une belle bête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais aller vérifier le niveau. Oh putain, on se tire. Courez les gars, courez! Je cherchais pas à comprendre, courez!
pardon, Tintin et Tintoun. Allez. Vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer, et beau d'aimer, beau d'aimer. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Qu'il fasse chaud d'aimer chaud, oui. Méchoui, méchoui, méchoui. Puis qu'il fasse beau des pas que beau. Pas que beau, pas que beau. Que le soleil tape en marteau. Marteau, marteau, marteau. Ça serait bien qu'il fasse des l'hiver beau. Et l'hiver beau. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Si de plus un climat chaussette, ma chaussette, ma chaussette, cet en est dès l'automnelier, tonnelier, tonnelier, tous les étés les uns aux autres, ça serait le genre de temps qu'on bénit, qu'on bénit, ah, ah, ah. Surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il été, l'été où est-il, où est-il été, l'été où est-il. Mon enfant ne soit pas elle. Seul temps. Mon joli souhait m'a beaucoup plu. Beaucoup plus, beaucoup plus. Et je vais pouvoir l'exaucer. Saucer, saucer, saucer. Oui, je peux, oui, ce pouvoir je l'ai. Je l'ai. Abracadabra, c'est ce pluie. Soleil d'été resplendit. Soleil d'été resplendit. Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle a fait papa. C'est madame la fée qui a fait ça. Alors, heureux? Oh oui, madame la fée. Merci, madame la fée. Et c'est joli, adieu, mon enfant. Au revoir, madame la fée. Charmant. Et le bonjour à monsieur la fée. Crétin, tiens. Noct, fais attention à ne pas acheter les objets inutiles. Ça va, je suis pas débile. Tu crois pour ma mère ou quoi? Non, mais je la plains. Eh ouais, perd son âme, hein. Trouvons un endroit sec. Écoutez de la merde quand on joue, quoi. Bonne idée. Ah, il y a un truc de merde ici. Joli vase. Bon travail. Grâce à vous, je vais pouvoir rendre ce souvenir à qui de droit. Voilà une bonne chose faite. Bon, j'en ai un peu marre de ce temps. Je crois qu'il est temps d'aller faire un petit somme, en espérant qu'il fera un peu plus beau demain. Je sens ça, les poissons. Ah voilà, la pluie a cessé, on a pu se boire un petit coup devant la caravane le soir, c'est déjà ça. Alors les photos. On a Velma. On a Claudio qui essaie de fourrer une caisse. On a Noctis qui sont un peu cons après de s'être chopé la crève sous la pluie pour les photos à l'autre là. Celle-ci. Bon, des fois qu'on n'en prendra pas des photos. Salut. Parce que. Yo,